notre page consacrée aux élections municipales. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour se maintenir ou bien faire des alliances et pourquoi pas fusionner. À Bastia, tout d'abord, Jean Tsoukareli et Gilles Simeone y sont au coude à coude. Le candidat de gauche compte 29 voix d'avance sur la liste nationaliste. François Tati, avec sa liste dissidente à gauche, est également qualifié pour ce second tour. Il a annoncé cet après-midi son accord avec Jean-Louis Milagne et leur intention à tous les deux d'élargir cette alliance à Gilles Simeone. La ville peut donc basculer et changer de majorité. Les discussions sont nombreuses. Le point avec Émilie Arrodo, Philippe Villaret et Guillaume Leonetti. Entre ces deux-là, c'est fait. Au lendemain du premier tour, Jean-Louis Milagne et François Tati font désormais cause commune. Le candidat d'hiver droite qui n'a pas franchi la barre des 10% et le dissident de gauche fort de 14,6% des suffrages ont posé les bases d'un accord sur une convergence de programme et de gouvernance municipale. Leur communiqué commun tombé en fin d'après-midi va plus loin, évoquant des discussions avec Gilles Simeone. Ils écrivent la chose suivante. Les Bastiens ont validé sa démarche d'ouverture. Ce constat et son refus publiquement affirmé de la violence clandestine créent les conditions d'un accord sur une plateforme de gestion pour concrétiser ce changement. Dès hier soir, des discussions tripartites ont eu lieu. Ce matin, Gilles Simeone y a réuni ses colistiers pour faire le point. Toute la journée, sa permanence, comme celle de François Tati, ont bruissé des avancées déjà réalisées et des points en débat. Selon nos informations, la structure de la liste d'union pour le second tour serait en cours de finalisation. Un accord pourrait être annoncé officiellement dans les prochaines heures. Alors les alliances de ce deuxième tour sont déterminantes pour le résultat du vote de dimanche prochain. Sébastien Thierry, bonsoir. Vous suivez pour nous ces élections à Bastia. Cet exercice des alliances est également un exercice difficile pour les candidats encore en lice, mais un front anti-Tsoukareli semble bien se dessiner ce soir. Oui Stéphane, les trois candidats apportaient, vous vous en souvenez, un démenti hier soir sur ce même plateau, mais nous vous le disions, les discussions entre Gilles Simeone, François Tati et Jean-Louis Milagne avaient bel et bien commencé depuis plusieurs heures et elles ont progressé. Hier soir et toute la journée, les trois têtes de liste sont réunies à l'abri des regards pour construire une union avant demain et mettre un terme à ce qu'ils appellent la dynastie Tsoukareli. Pour cela, François Tati et Jean-Louis Milagne ont tiré les premiers, si je peux me permettre, affirmant dans un communiqué conjoint, sans doute pour peser davantage dans la discussion, avoir posé les bases d'un accord, qu'ils veulent élargir à Gilles Simeone, bien sûr, celui dont la démarche a été validée par les Bastiais, disent-ils. Alors on s'oriente vers un front commun, anti-Tsoukareli, avec la gauche, les nationalistes et la droite, une coalition déjà qualifiée de contre-nature par les soutiens de Jean Tsoukareli, mais une coalition qui semble presque finalisée. On discute contrat de mandature, mais aussi équilibre politique, répartition des rôles entre la présidence de la communauté d'agglomération et la mairie notamment. Reste tout de même le cas de Courcy-Cali, la liste indépendantiste conduite par Éric Simeone qui a recueilli hier soir 5% des suffrages. Oui, avec ce score, Corsica Libera peut fusionner. Éric Simeone, durant toute la campagne, a lancé des appels à Gilles Simeone pour un rapprochement. Il faut que la famille nationaliste, il faut le dire, est unie à Corté, à Ajaccio, travaille en convergence, par exemple, à l'Assemblée de Corse. Mais ce soir, Jean-Louis Milagne et François Tati, dans un communiqué, fixent aussi les limites des alliances en précisant que le refus par Gilles Simeone de la violence politique crée les conditions d'un accord pour faire gagner Bastia. Comprenez en filigrane que ce qui est exprime une solidarité avec les groupes clandestins, sont de facto exclus. Et c'est précisément le cas de Corsica Libera. Alors si l'accord qui pourrait intervenir dans les prochaines heures se concrétise sur cette base, une union avec la gauche et la droite, qui sur le papier serait majoritaire, il faudra à Gilles Simeone l'expliquer aux militants indépendantistes, puis enfin aux électeurs bastiais. Merci Sébastien pour cet éclairage et naturellement nous suivons sur notre site internet et les réseaux sociaux situation à Bastia, à Ajaccio maintenant, scrutin serré entre Simon Renucci et Laurent Marcange. Il y a avec 36,5% des suffrages, le maire sortant est en tête, il compte 330 voix d'avance mais il est menacé par la droite ajaccienne qui croit à une reconquête possible de la maison carrée dimanche prochain. José Philippe pour la liste d'Union Nationaliste a obtenu 10,8%, les nationalistes donc au centre du jeu, se maintiendront-ils ou bien feront-ils alliance, des rencontres ont eu lieu toute la journée. Récit de Dominique Moret, Tiffany Ortiz-Verea et Franck Rombaldi. C'est derrière cette vitre que se joue l'issue du second tour. Cet après-midi, les nationalistes emmenés par José Philippe y ont rencontré le maire sortant Simon Renucci. Le rendez-vous s'est déroulé dans les locaux du parti Tudia Nazione Gortz. La gauche, qui souhaite conserver la mairie d'Ajaccio, a voulu rencontrer les arbitres de ce scrutin. À l'issue de la réunion, aucune décision ne semblait avoir été prise quant à une éventuelle alliance entre les deux listes.
Sur Enouch, que s'est-il dit au cours de cette réunion? Un échange normal entre des leaders d'une liste qui partagent une certaine vision concernant les modes de gestion et peut-être l'avenir de la Corse, mais sans pourtant entrer dans un débat purement municipal. Est-ce que vous avez proposé une fusion? Je crois que je vous ai dit qu'on a échangé de façon générale pour une vision globale de la Corse et qu'on n'a pas forcément parlé des municipales au sens politique politicienne. D'autres discussions pourraient avoir lieu ce soir ou demain. Ce matin, au même endroit, les nationalistes ont également rencontré Laurent Marcangeli et ses colistiers. Dès hier, après la proclamation des résultats, le député de droite appelait au rassemblement. Cet appel a été entendu notamment par Jacques Billard et Pierre Santoni qui ont rencontré le candidat aujourd'hui. Nous avons eu un échange très cordial avec des gens qui ont bien réfléchi, ont appréhendé les choses. Il s'avère qu'un chemin a été fait de part et d'autre. Donc il n'y a pas de raison que demain nous ne soyons pas ensemble. Nous accompagnerons la démarche dorénavant. Sur quelle base? Eh bien, une partie de notre programme sera intégrée sur le programme futur de la municipalité. Un accord programmatique a également été trouvé avec François Filogni. Laurent Marcange nous a donné rendez-vous aujourd'hui, nous l'avons rencontré. Il est d'accord pour soutenir nos propositions en ce qui concerne la protection du Quai Bonaparte. Il est d'accord pour la protection de la plage du Ricante. Il est d'accord pour intervenir auprès du ministre pour la pollution du Vage. Et si déjà on peut faire avancer ces trois points dans cette campagne, ça sera une grande victoire pour les Ajacciens. Merci. Mais Laurent Marcange ne pourra l'emporter qu'avec une partie au moins des 1940 voix qui se sont portées sur le Front National, avec lequel aucun accord n'a été trouvé pour l'heure. Quant à la gauche, les négociations entre Simon Renucci et Anne-Marie Luciani se poursuivent. Les deux parties ont jusqu'à demain pour trouver un terrain d'entente. À Porto-Vecchio, Georges Mehl a frôlé sa réélection dès hier soir. Il lui a manqué 39 voix pour être élu dès le premier tour. Il est donc en ballottage favorable face à Jean-Christophe Angelini, qui a obtenu 42,6% des suffrages. Le candidat indépendantiste Michel Giras, qui a rassemblé 7,8% dans ce scrutin, marqué par une forte participation, plus de 82%. Reportage de Marie-France Giuliani et de Thierry Guespin. Défait hier, combatif ce matin. Avec 535 voix de retard sur l'UMEP Georges Mehl, Jean-Christophe Angelini et ses alliés du Front de Gauche accusent le coup. Leur alliance a convaincu 3330 électeurs, plus que jamais, mais pas assez. Si l'on veut continuer, il faut voter pour la liste du maire sortant. Mais si l'on veut au contraire trouver les voies et moyens d'une alternative, alors il faut nous soutenir et massivement. Moi, je lance un appel à la responsabilité, à la lucidité, à l'intelligence collective. Tout peut encore être gagné dimanche prochain. Il faut vraiment que nous nous mobilisions. Un appel adressé en priorité aux 611 électeurs de Michel Giraschi. Le candidat de Corsica Libera ne peut se maintenir au second tour. Une fusion semble impossible. Aujourd'hui, j'ai des regrets parce qu'il y a quelques mois, tout le monde pensait que l'opposition était largement majoritaire sur Porto Vecchio. Aujourd'hui, l'élection paraît pliée avant même d'anticiper la campagne du second tour. Le Front de Gauche ne comptant pas s'allier avec les indépendantistes, l'opposition est divisée, un atout pour la majorité sortante. Faire des accords électoraux qui n'ont pas vraiment de sens, eh bien voilà, aujourd'hui Jean-Christophe Angelini a, je dirais, lui-même la responsabilité de la situation dans laquelle il est. La liste que j'avais l'honneur et la chance de conduire est arrivée à 39 voix d'une élection au premier tour. La mobilisation record, 82% de participation, a profité surtout aux maires sortants. Peu d'abstentionnistes donc à solliciter d'ici dimanche. Personne ici ne semble croire en l'union des opposants. Pas de consigne, pas de fusion pour l'instant. À certaines, très forte participation également, près de 90% des votants se sont déplacés hier pour départager les quatre candidats en lice à l'issue du premier tour. Avec 35,4%, le maire sortant Paul Kilikine est arrivé en tête devant le président de l'Assemblée de Corse et ancien maire de Sartène, Dominique Bouquigne. Pierre Vertigny peut également se maintenir. Comment se dessine cet entre-deux-tours? Florence Antonmarc avec Jacques-Paul Stéphanie. Élevé en tête avec 803 voix, Paul Kilikine est tranquille, il n'a besoin d'aucun accord de liste. On avait déjà posé comme principe de base qu'il n'y avait pas de fusion de liste.
Ensuite, bon, normalement, d'après ce qui avait été dit, celui qui arrivait derrière l'autre soutenait le premier. Mais vous savez, la politique, c'est particulier, on verra. Hein. Hier soir, il a creusé l'écart. 200 voix sur son rival de droite, le conseiller général Pierre Versigne. Il ne fera aucune déclaration avant mardi. Et surtout, 100 voix d'avance sur Dominique Bouquigny, qui arrive en deuxième position. La tendance est affirmée dès les premières heures du dépouillement. Est-ce l'ancien maire, le président de l'Assemblée de Corse, le communiste que les Sartenais ont voulu mettre à distance? La droite est majoritaire à Sartène. C'est regrettable. Je pense que les Sartenais ont, ce dimanche-là, fait une erreur. Ils ont le temps de se rattraper dès dimanche prochain. En tout cas, pas de discussion pour Antoine Mondologne. Les nationalistes du PNC atteignent leur étiage. Avec 194 voix, ils ne franchissent pas le seuil des 10%. En cause, ce qu'ils nomment la rumeur sur les alliances du deuxième tour. Nous, on passait voir les gens, on disait qu'il n'y avait pas d'alliance avec la gauche. Malgré ça, le candidat de droite passait lui et disait qu'il y avait forcément alliance avec la gauche. Voilà, et même le candidat de gauche se permettait de dire, et on va pas faire une langue de bois, hein, se permettait de dire votez-nous au premier tour parce qu'au second tour on sera avec. Donc voilà. Tout laisse croire ce matin que 3 listes se maintiendront. Une triangulaire qui joue en faveur pour le moment du maire sortant. Et vous pouvez naturellement retrouver sur Internet les autres résultats et les autres images concernant ces élections municipales. Jean-Victor Salbertini, bonsoir. Bonsoir. On a vu des scrutins très serrés à Bastia et Ajaccio. Au-delà, quels sont les enseignements de ce premier tour? Alors, hormis la participation importante, supérieure de 12 points à la moyenne nationale, on retiendra de ce scrutin municipal 3 éléments. Une droite bien ancrée qui maintient, voire renforce ses positions à Corté, à Calvi ou Porto Ete, qui pourrait même reconquérir Ajaccio. Une droite qui a bénéficié à la fois de son ancrage local et pour partie du vote de sanctions contre le gouvernement socialiste. Alors la phase de reconquête qu'elle annonçait se concentre néanmoins uniquement sur Ajaccio, dont la prise suffirait à son bonheur et ferait un peu oublier sa faiblesse à Bastia. Et de son côté, la gauche, elle a subi un revers. Elle est en danger à Ajaccio et aura beaucoup de mal à reconquérir Sartène. Le fait qu'il s'agisse là de deux personnalités majeures, Simon Renucci et Dominique Bouquigny, le président de l'Assemblée de Corse, donnerait encore plus d'impact à une éventuelle défaite. Alors le cas de Bastia est un peu particulier parce qu'une lecture avec le prisme droite-gauche est ici, n'a pas lieu d'être. Alors, quant aux nationalistes, on l'a dit, la possibilité d'un succès à Bastia et la prise d'un certain nombre de mairies accentuerait leur influence à un an des élections territoriales et masquerait un peu l'échec d'Ajaccio, où l'Union, visiblement, a posé plus de problèmes que suscité d'engouement. Alors, Jean Vitus, dans ces conditions, quelles sont les perspectives pour le deuxième tour de dimanche prochain? Alors, si l'on accepte pour tout, toutes les choses semblent quand même entendues. Les résultats d'hier laissent planer une certaine incertitude, plus ou moins grande en tout cas, à Bastia d'abord, où le jeu des alliances dont on connaîtra l'aboutissement ce soir et au plus tard demain, puisque les discussions sont actuellement en cours, ces discussions pourraient sceller le sort de l'élection. À Ajaccio, les choses là sont un peu plus compliquées. Laurent Marcand, j'en l'ai vu, a reçu le soutien de François Fillon et de Jacques Billard. Et si d'aventure son concurrent ne conclut pas un accord avec la liste de José Philippe, il n'y aura plus beaucoup de suspense. Sinon, l'élection sera indécise jusqu'au bout. Merci Jean Vitus pour cette analyse, ce commentaire et cette mise en perspective de ces élections municipales à l'issue du premier tour.